Bonjour, bienvenue à votre premier cours de physique en ligne. C'est sous forme de capsule. C'est des vidéos que je fais à la bonne franquette dans mon garage. Je vous souhaite la bienvenue. Il va y en avoir probablement plusieurs dizaines. Et vous comprenez qu'en en faisant plusieurs dizaines, il faut que je baisse mes standards de qualité parce que ça demande de la préparation. Et je peux pas faire des vidéos impeccables, sans erreur, sans anicroche à chaque fois. Donc, je vais faire des erreurs de temps en temps. Je vais les corriger. J'arrêterai pas la vidéo puis je recommencerai pas. Vous gardez en tête que d'une façon d'une autre, c'est mieux que rien, c'est mieux que de lire le livre tout seul. Dans ces vidéos-là, je vais donner essentiellement les cours théoriques. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est simplement une feuille blanche sur laquelle j'ai préparé quelques petits trucs, mais en général, les feuilles sont presque vierges, et je vais donner le cours au tableau en faisant ressortir les éléments importants de chacun des chapitres. Je vous encourage à prendre des notes, vous n'êtes pas obligé, vous êtes à la maison, chez vous, je vous vois pas, je vous surveille pas, vous faites comme bon vous semble. Les vidéos sont toujours disponibles sur YouTube, et vous pouvez toujours les consulter, les rembobiner, écouter la partie que vous voulez pour vous préparer à l'examen, c'est correct. On appelle ça de la pédagogie asynchrone. Ça signifie que vous pouvez, là, à tout moment, consulter les parties que vous voulez et que vous n'êtes pas obligé d'être présent en ligne en même temps que moi pendant que je fais la vidéo. Je vous propose de commencer tout de suite avec le chapitre 1 du livre de Wildy. C'est un chapitre où on présente les notions physiques de base. Vous les avez peut-être déjà vues lorsque vous étiez au secondaire, si vous avez fait des cours de sciences, ou au cégep. Je commence rapidement avec la définition, justement, de la science. On va dire que la science, c'est un ensemble de connaissances. Un ensemble de connaissances et de théories. Vous voyez que j'écris pas nécessairement bien non plus, mais vous êtes capable de lire, et c'est ce qui compte. Un ensemble de théories et de modèles vérifiables, c'est la partie importante, ça c'est un V, vérifiable par l'expérience. On espère tous que ma police de caractère manuscrite va s'améliorer au cours de la session, mais je vous répète que tant que vous êtes capable de lire, même s'il y a une faute de français ou une lettre mal formée, ça le fait, et je dégage les parties essentielles pour l'examen seulement. Gardez ça en tête aussi, là. À place d'étudier le chapitre au complet, vous pouvez écouter les vidéos, et puis c'est bien correct. Ce dont vous voulez entendre parler ensuite, ce sont les unités du système international. On l'appelle SI la plupart du temps. Et dans les cours de sciences, de technologie en général, en ingénierie aussi, on utilise les unités du système international. Sauf aux États-Unis, où ils s'entêtent à utiliser le système impérial. Vous les connaissez probablement, je vais lister les plus importantes. Pour la masse, c'est le kilogramme. K pour kilo, c'est le préfixe qui veut dire 1000, et G minuscule pour gramme. Notez que le K est minuscule aussi. Pour les longueurs ou les distances, vous appelez ça comme vous voulez, on utilise le mètre. L'abréviation, c'est le M minuscule. Pour le temps, vous vous doutez que c'est la seconde, S minuscule. Pour la température, qu'est-ce qu'on utilise? Le degré Fahrenheit? Le degré Celsius, négatif. On utilise le Kelvin, K majuscule. C'est la même chose qu'un degré Celsius, un degré Kelvin. Ça a la même largeur, un degré Kelvin, que 1 degré Celsius. Par contre, c'est décalé de 273 degrés vers le bas, de telle sorte que 0 degré Kelvin, c'est la plus basse température qui existe dans l'univers. En fait, la température est théoriquement pas atteignable. Et puis, on va dire que 0 degré Celsius correspond à environ 273 degrés Kelvin. C'est l'échelle de température absolue. Pour le courant électrique, vous le connaissez encore mieux que moi, c'est l'ampère, qui veut dire 1 coulomb par seconde. C'est le débit de la charge électrique. La quantité de matière, ça, on voit ça dans les cours de chimie. Quantité, matière... les mal écrits, c'est la mole. C'est un certain nombre de molécules, comme une douzaine d'œufs compte 12 œufs. Une mole compte un certain nombre, qu'on appelle le nombre d'Avogadro, qui est un nombre très, très grand, d'unités de quelque chose. Ça peut être des molécules, des atomes, et on va définir la quantité de matière à l'aide de ça. La dernière que je fais avec vous, la lumière, on la mesure, il y en a plusieurs des unités lumineuses là en candela CD. Une chose qui pourrait être importante d'étudier là, ce sont les préfixes. Si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est le tableau dans le Wildy 1-2 à la page 3
au début du livre. Donc, vous voulez vous assurer de connaître tous les préfixes, là, kilo, milli, méga, giga et leur ordre de grandeur en notation scientifique. Par exemple, pour le micron, c'est la lettre grecque mu qui correspond au préfixe micro. Et on va dire que c'est fois 10 à la moins 6 en notation scientifique. La liste des préfixes est à connaître par cœur et on serait gêné de vous laisser sortir du cégep Limoilou sans connaître les préfixes scientifiques usuels. On continue avec le concept de force. Dans le chapitre 1 d'où il dit, on parcourt la plupart des principes physiques essentiels et un des principes importants, c'est le concept de force. Une force, c'est quelque chose qu'on applique sur un objet, là. Et vous vous en doutez, là, j'ai dessiné un objet ici. Si on pousse sur l'objet, par exemple, là, vous avez quelqu'un ici qui exerce une force de traction vers la droite. L'objet va être soumis à cette force-là et s'il n'y a pas de frottement et d'autres forces qui vont nuire à la force de traction qui est appliquée sur l'objet, il va y avoir une accélération. L'accélération devra être dans le même sens que la force résultante, c'est-à-dire la somme des forces. Dans ce cas-ci, il y a une seule et unique force qui s'applique sur notre objet, vers la droite. Et comme je vous dis, s'il n'y a pas de frottement ou s'il n'y a personne qui pousse de l'autre côté pour nuire à notre bonhomme qui pousse vers la droite, il devrait y avoir une accélération de l'objet. J'ai mis un petit M à côté parce que cet objet-là possède une masse et c'est un concept important dans l'équation de Newton qui décrit l'effet d'une force sur une masse. Cette équation-là, vous la connaissez probablement peut-être, c'est F est égal à ma. C'est une équation vectorielle, c'est-à-dire que la force est un vecteur. On va mettre une petite flèche par-dessus. Et l'accélération aussi est un vecteur. Un vecteur, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une grandeur et une orientation qui est associée à cette variable-là. Donc F, la force, c'est pas juste un certain nombre, c'est un nombre avec une direction. Par exemple, la force, ça se mesure en Newton. L'unité de mesure, N majuscule, et l'accélération, ça se mesure en mètres par seconde carrée. La masse, on l'a dit de l'autre côté, ça se mesure en kilogrammes, et toute force appliquée sur une masse M va résulter en une accélération. En regardant l'équation, vous comprenez que plus la masse est grande, plus ça prend une grosse force F pour produire une même accélération. Il y a plusieurs types de forces, les forces de traction, les forces de compression, les forces de friction, les forces sur les avions, comment ils s'appellent? Je m'en souviens plus. Change de sujet vite fait, avant que vous vous rendiez compte que je me souviens plus. C'est la force de portance, je viens de m'en souvenir. Mais une des forces les plus répandues, c'est la force gravitationnelle, qu'on appelle aussi le poids. Le poids, on peut le calculer facilement à la surface de la Terre avec l'équation P est égal à mg. Maintenant, faites attention, le g minuscule qui est ici, c'est la constante d'accélération gravitationnelle terrestre. C'est long à écrire, j'écris seulement g. Ça vaut 9,81 mètres par seconde carré. C'est la valeur de l'accélération de tous les objets, les gros, les petits, les éléphants, les pianos, les boules de billard, les lapins, les chats, name it. Tous les objets en chute libre à la surface de la Terre accélèrent à raison de 9,81 mètres par seconde par seconde. On appelle ça des mètres par seconde carré parce que c'est un gain de vitesse, 9,81 mètres par seconde, à chaque seconde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il passe une seconde, on gagne tout près de 10 mètres par seconde de vitesse. Donc, ça va assez vite. Et c'est comme ça qu'on peut calculer la force gravitationnelle. Je vais l'écrire, force gravitationnelle, 2N, 2L. La force gravitationnelle, qu'on appelle aussi le poids, sont des synonymes pour les objets à la surface de la Terre. Maintenant, il faut comprendre que si vous êtes sur une autre planète avec un champ gravitationnel différent de celui de la Terre, le poids ne se calcule pas de cette façon-là. C'est pour ça qu'on dit que le poids change dépendamment si vous êtes sur la Lune, sur la Terre, sur Mars, dans l'espace intersidéral. Nous, la plupart du temps, on va travailler à la surface de la Terre et on va garder la constante d'accélération gravitationnelle terrestre fixée à 9,81. Bon,
Maintenant que vous connaissez le concept de force, vous voulez savoir qu'on peut utiliser les forces pour faire tourner des objets. Dans votre domaine, c'est particulièrement important parce que vous travaillez avec des moteurs régulièrement. Je vais écrire une phrase que je vous suggère de noter vous aussi. On dit que l'application d'une force modifie... Ben, évidemment, c'est l'application d'une force résultante non nulle. Si vous avez plusieurs forces qui se nuisent l'une l'autre, il faut faire l'addition vectorielle de tous ces vecteurs de force-là et calculer la force résultante. Si la force résultante est non nulle, là, ça se pourrait, si elle est bien appliquée, qu'il y ait ce qu'on appelle un couple. On dit modifie l'état de mouvement d'un corps. Et l'état de mouvement d'un corps, ça peut être le repos, c'est quand le corps bouge pas. Ça peut être un mouvement à vitesse constante. Donc, la force peut faire passer un objet qui est au repos à un état de déplacement à vitesse constante. On peut aussi augmenter cette vitesse-là ou freiner un mouvement en appliquant une force de friction, un freinage. On peut arrêter un mouvement, donc on va modifier l'état de mouvement de l'objet comme ça. Et on peut aussi le mettre en mouvement de rotation. Pour prendre un objet qui est au repos et le mettre en mouvement de rotation, il faut appliquer une force dessus, mais pas n'importe où. Regardez le dessin que j'ai fait en bas. Il s'agit d'une poulie avec un axe de rotation en plein centre. C'est comme vous l'imaginez, là, l'axe de rotation, l'essieu là, qui tiendrait la poulie serait perpendiculaire à ma feuille et la poulie serait libre de tourner autour de cet axe-là. C'est un cercle parfait de rayon R. On peut l'écrire, le rayon. On le mesure en mètres, le diamètre évidemment deux fois le rayon, et on va appliquer une force là-dessus. Je vais commencer par appliquer une force ridicule à un endroit qui ne crée pas de moment de force ou de couple. Regardez bien, je vais l'appliquer ici. Si vous poussez avec une force, appelons-la F1, comme ça, directement sur la ligne d'action qui contient le pivot ou l'axe de rotation, vous ne ferez pas tourner votre objet. Vous pouvez l'essayer avec une roue de vélo. Si vous poussez sur la roue de vélo avec votre main dans la direction que j'ai indiquée pour la flèche verte, que vous vouliez ou non, la roue ne va pas tourner. Par contre, si vous poussez ou vous tirez à l'extrémité comme ça, avec une force, appelons-la F2, vous allez faire tourner votre objet dans ce sens-là, celui que j'ai indiqué, là, c'est la vitesse de rotation angulaire oméga. On verra ce que c'est plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de savoir que l'objet va tourner dans ce sens-là. Et on est capable d'imprégner un mouvement de rotation comme ça ici. Là. On appelle ce mouvement-là de rotation une rotation uniforme circulaire. Et ce qui crée le mouvement de rotation, on l'appelle le couple ou le moment de force. On dit que le couple ou le moment de force mesure l'efficacité d'une force à mettre un objet en rotation. En rotation. Et voilà. Plus le couple associé à une force est grand, plus l'efficacité de cette force-là pour faire tourner un objet autour d'un axe particulier est grand. Par exemple, le couple associé à la force F1 qui est ici, on appelle le couple taux, c'est une lettre grecque, c'est sûr que c'est zéro parce que la force F1 a beau être grande, due à l'orientation et au point d'application de cette force-là, il n'y aura aucune rotation de l'objet qui va être engendré. Donc, le moment de force taux associé à la force F1, appelons-le taux indice 1, est égal à zéro. Par contre, le moment de force taux 2 associé à la force F2, lui va probablement être plus grand que zéro. Qu'est-ce qui va valoir? Il faut prendre le temps de le calculer. Pour calculer un couple ou un moment de force, on utilise une équation relativement simple. On prend la force qui nous intéresse, par exemple F2 pour calculer taux 2 ou F1 pour calculer taux 1, et on multiplie bêtement par la distance, entre le point d'application de la force et puis le bras de levier. On appelle ça, le R qui est ici, là, comme ça, on appelle ça le bras de levier. Bras de levier. Le bras de levier, c'est une distance en mètres.
comme ça, entre le point d'application de la force et le pivot. Mais il y a une subtilité, il faut que cette distance-là soit perpendiculaire à la ligne d'action de la force. Vous voyez que pour F1, il n'y a pas moyen de tracer un segment perpendiculaire à la ligne d'action de la force que je suis en train de surligner en ben trop gros vert pour aller chercher le pivot, parce que le pivot est déjà sur la ligne d'action de la force. Ça veut dire que R1 est égal à 0. Et c'est pour ça que taux 1, peu importe ce que vaut F1, quand on multiplie par 0, ça donne rien du tout. Par contre, pour la force F2, c'est le rayon de la poulie qui joue le rôle de bras de levier et on va obtenir un couple, un moment de force non nul. Je vais arrêter ici pour la première vidéo. Par contre, le chapitre 1 n'est pas terminé. On va continuer dans la prochaine vidéo avec la notion de travail.